Bonjour mes chers élèves de 5e année, CM2. Je vous présente votre cahier de vocabulaire de communication de la part de cette trappe CTPL. Alors aujourd'hui, on va vous proposer un nouveau thème. Il s'agit de les transports en commun. Les transports en commun. Allons-y, on va découvrir ensemble l'activité d'aujourd'hui. Les transports en commun, c'est le titre de ce thème. Alors, on va faire la correction de cette évaluation de mon vocabulaire. J'évalue mon vocabulaire ici. Je vois une image qui représente les transports en commun. Elle repère chaque mot et reporte son numéro dans l'illustration. On va le faire. Après, on va cocher tous les mots qui ont un rapport avec les transports en commun. Et j'ajoute ces mots à cette liste. Allons-y, on va faire cette activité. Prenez s'il vous plaît, si vous avez mon cahier de vocabulaire et de communication, prenez la page 8 et suivez avec moi. Alors, j'évalue mon vocabulaire. Je repère chaque mot et reporte son numéro dans l'illustration. Alors, on a l'autobus, le tramway, le train, le métro, l'arrêt de bus, la gare, l'abribus, la gare routière, le passager et le quai. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement repérer chaque mot et reporter son numéro dans l'illustration. Allons-y, où est exactement l'autobus? Voici l'autobus. Alors, c'est un. Notez avec moi, s'il vous plaît, au fur et à mesure. Alors, en même temps, notez avec moi, s'il vous plaît. Le tramway, voici le tramway. Il y a deux tramways de Casablanca et de Rabat. Le train, ça c'est le train. Le métro, voici le métro. On espère avoir remarqué prochaine fois. L'arrêt du bus, voici l'arrêt du bus. C'est 5. La gare, voici la gare, c'est 6. L'abribus, voici l'abribus, c'est 7. Oui, c'est la gare routière. Voici la gare routière, c'est 8. Le passager, voici un passager, c'est 9. Et le quai de la gare, c'est 10. Voilà, on a terminé la première activité. On va voir d'autres activités. Restez toujours connectés avec votre chaîne Je Communique TV. Alors ici, je coche tous les mots qui ont un rapport avec le transport en commun. Alors, par exemple, une ligne, une carte de bus,
L'horaire aussi. Alors, une ligne, une carte de bus et l'horaire. On peut ajouter par exemple quelques mots. Par exemple, bateau. Alors, bateau, c'est un moyen de transport commun. On pouvait et aussi paquebot. Le bon bateau. Comme verbe, on dit transporter. Et aussi embarquer. Embarquer dans un bateau. Il y a un autre moyen de transport, trolleybus. Trolleybus. Et avion, à la fin, avion. Avion, c'est un moyen de transport commun. Alors, on passe à autre chose maintenant. Je coche le synonyme des mots en gras. Voici la partie d'enrichir mon vocabulaire. J'enrichis mon vocabulaire. Coche le synonyme des mots en gras. Alors, le chauffeur ouvre les portes pour laisser descendre un passager. Est-ce que c'est abribus, conducteur ou pilote? Alors, je choisis pour le chauffeur, c'est conducteur. Alors, c'est conducteur. C'est la bonne réponse. Conducteur. Veuillez composter votre ticket, s'il vous plaît. Alors, ticket, votre ticket. C'est billet ou carte ou bagage. Alors, votre ticket, c'est billet. J'ai acheté mon billet au guichet automatique. Au guichet, ça veut dire à l'abribus, au composteur ou à la billetterie. Alors, j'ai acheté mon billet au guichet automatique. Guichet automatique, ça veut dire composteur, qui vient du verbe composter. Amina consulte l'horaire du train. Amina consulte l'horaire du train. Ça veut dire l'horaire, ça veut dire le planning. Les billets ou les lignes. Alors le planning, c'est pas les lignes, c'est pas les billets, mais le planning. Les voyageurs doivent monter dans le wagon. Les voyageurs, vous dire les conducteurs, les passagers ou les contrôleurs. Bien sûr, les passagers. Alors, le chauffeur ouvre les portes pour laisser descendre un passager, c'est conducteur. Le chauffeur veut dire le conducteur. Veuillez composter votre ticket, s'il vous plaît, c'est votre billet. J'ai acheté mon billet au guichet automatique, ça veut dire au composteur. Guichet automatique veut dire le composteur. Amina consulte l'horaire des trains, ça veut dire le planning. Alors, les voyageurs doivent monter dans les. Les voyageurs doivent monter dans le wagon, veut dire passager. Les voyageurs veut dire passager. Voilà. On passe à autre chose maintenant. Deuxième activité. Deuxième activité pour aujourd'hui. Trouve un verbe de la même famille que le mot proposé. Trouve un verbe de la même famille que le mot proposé. On a conducteur, composteur, attente, contrôleur, assis. Réservation, embarquement, voyageur, place, annulation. Alors, conducteur, on dit conduire.
Composteur, on dit composter. Attente, on dit attendre. Contrôleur, on dit contrôler. Asseoir, on dit s'asseoir. Réservation, on veut dire réserve. Embarquement, on veut dire embarque. On cherche le verbe de chaque membre. Voyageur, on dit voyager. Place, on dit placer. Annulation, on veut dire annuler. Voilà. Conducteur, conduire. Composter, composteur, composter. Attendre, attendre, attendre. Contrôleur, contrôler. S'asseoir, assis, c'est s'asseoir, réservé. Réservation, c'est réservé. Embarquement, c'est embarqué. Voyageur, c'est voyager. Placer, place, c'est placer. Annulation, c'est annuler. Alors, troisième activité, c'est entoure le mot qui a été abrégé. Entoure le mot qui a été abrégé. Coche le mot entier auquel il correspond. C'est la troisième activité pour aujourd'hui. Alors, ici, entoure le mot qui a été abrégé. Coche le mot entier auquel il correspond. On dit Zahid prend le bus tous les jours pour aller au lycée. Alors le bus veut dire autobus. Le bus veut dire autobus. C'est pas abribus ou rébus. Non, autobus. Il faut prendre quelle ligne de tram pour se rendre à la piscine? Le tram veut dire tramway. Le tram veut dire tramway. Oh non, le métro est en panne. Oh non, le métro est en panne. Alors, le métro veut dire le métropolitain. 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 C'est l'abréviation de métro. Voilà, c'était pour le moment, mes chers élèves de CM2. On va voir plus tard, c'est-à-dire la prochaine vidéo, un nouveau thème. Il s'agit de le théâtre. Thank you.